Hey, coucou tout le monde! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la même tenue que la vidéo de vendredi. Mais comme je vous l'avais annoncé, je tourne mes vidéos dans la foulée parce que j'ai reçu mon petit colis du Santa Christmas. Donc en quoi ça consiste? Du coup c'est le compte de Tessa, Douce Lecture, et de Emma La Bouquinade qui ont organisé ce petit Santa Christmas qui consiste en gros à être plusieurs Instagrammeurs. Donc là il y a Madame Errance, Strawberry Book, Ekaterina Sword, Le Coin de Mathieu. Ah, j'arrive jamais à prononcer son pseudo Baxfly, un truc comme ça. De toute façon je vous mettrai tous leurs comptes ici et les liens vers leur Insta ou leur chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et du coup ben, on a donné toutes nos coordonnées, on a mis sur un petit logiciel et le petit logiciel comme par magie a envoyé les coordonnées du Santa à quelqu'un. Mais du coup on était 8 personnes à ne pas savoir de qui on allait recevoir un cadeau, mais on savait à qui on l'envoyait. Et du coup dans ce petit colis normalement il y a plein d'indices pour que j'essaye de deviner qui m'envoie ce colis. Il y a des petits cadeaux, il n'y avait pas de thème imposé, pas forcément de livre, rien, c'était libre, c'était vraiment un cadeau de Noël. Voilà, en avance du coup parce que nous sommes toujours mercredi 23 et que du coup je l'ouvre en avant, désolée, je risque encore de bugger dans cette vidéo, hein, qu'on soit très clair. Et du coup, bah, je vais ouvrir ça. En tout cas, la personne n'y est pas allée de main morte avec le scotch. Et aussi, pour pas qu'on soit trop curieux, nous connaissant, on a mis le nom, le prénom d'une autre personne pour pas qu'on devine qui nous envoie ce colis. Enfin, pour pas qu'on devine. Pour pas qu'on triche à essayer de deviner qui nous envoie ce colis. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de voir la réaction de mon Santa Christmas. Sincèrement, je me suis éclatée à faire son colis, donc j'espère que tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça lui a plu. En tout cas, moi, du coup, je vais découvrir là. Oh, purée. Oh, j'ai trop chou. Oh, c'est bien. C'est écrit. Oh, 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 oh. Et voilà l'intérieur du colis. Donc, du coup, c'est parti pour ouvrir ça. Dire Anaïs. Alors, attendez, parce que je sais pas s'il faut l'ouvrir maintenant, ça. Si. Plume. Une plume. Bah du coup je dirais Douce Lecture. Je vous montre la carte. Voilà. Je suis plume. Enfin, déjà c'est pas Le Coin de Mathieu. Je dirais pas Emma, ni Élise, ni Mélanie du coup. Du coup il me reste Ophélie, Camille et Tessa. Je sais pas qui. Hello, ton petit lutin a créé ce colis pour toi de ses petites mains. J'ai cru comprendre que tu aimais bien piocher au hasard, donc aucun numéro à suivre. Prends celui qui t'inspire en premier, puis passe au suivant en espérant que les cadeaux te fassent plaisir autant que j'ai eu à le concocter pour toi, ton lutin de Noël. C'est trop mignon ce petit nom. Oui, j'aime bien piocher au hasard ou avoir des numéros mais essayer de deviner en fait. Donc du coup, voilà. Bon bah, la première chose que je vois, c'est de la bouffe. On va grossir avec tous ces swaps où il y a de la nourriture dedans. Allez, pour faire durer l'ambiance plus longtemps. Pour faire durer l'ambiance plus longtemps. Un carnet, un livre, c'est quoi? Je sais pas, je suis nulle pour dîner. Mais je suis nulle. Attendez. Pour faire durer l'ambiance plus longtemps. Oui. Un petit livre de Noël. Y aura-t-il trop de neige à Noël? Je l'ai pas en plus. Donc c'est trop bien. Voilà. Merci. Mais du coup ça me donne pas d'indice quand même. Ah si, attends, c'est qui lit des livres de Noël? C'est Ophélie. Moi je dirais que c'est Ophélie. J'ai cru comprendre que tu aimais cette saga. Alors c'est un marque-page ça. Et en rapport avec Phobos, Nil ou Le Labyrinthe ou... Attendez. Ah, ça veut pas ouvrir. Veille le jour. C'est quelle saga? Veille le jour. Attendez, déjà je vous montre, c'est un super beau marque-page par contre, je suis trop fan. Il est magnifique. Et c'est de cette boutique. Mais je suis trop fan. Mais attendez. Veille le jour. Ouais, moi je dirais Phobos avec les roses et tout. Je dirais vraiment Phobos. T'as bien misé juste pour le moment, mais ça m'aide pas
pas vraiment à savoir qui c'est, hein. Winter is coming, alors ça, si c'est la vraie référence, du coup, c'est... Ça y est, non mais soyez pas malade, hein, parce que... on perd tous les mots. C'est... Got Game of Thrones, voilà. Winter is coming. Cette phrase sort de là. Oh, c'est des chaussettes. Oh, c'est trop bien. Long sock. C'est des chaussettes pilou-pilou. C'est pilou-pilou. Je suis trop fan. En plus, celles-là, elles sont discrètes et tout comparées à toutes celles que j'ai. Donc, je pourrais les glisser dans des petites bottes et tout. C'est trop bien. Merci. Attends, mais qui aime ça aussi? Moi, je pense vraiment que c'est Ophélie. Hein. Je sais pas pourquoi. Encore de la nourriture pour accompagner tes lectures. Une bougie. Vu le poids, c'est une bougie. Oh, doux bonheur. Elle est trop mignonne. Bougie parfumée vanille. Elle est trop belle, elle est grande et tout. Ah oui, on sent bien la vanille. Merci. En plus, je commence à être en rade en vrai. Tiens, ce petit m'intéresse. Covid prof. Proof. Pardon. Covid proof. C'est un manugel. Vu la... Voilà. Vu la taille et tout... J'en avais plus en plus de des petits comme ça, je les trouve trop mignons et tout. Voilà. Merci. Mais là, ça me donne pas d'indice. Mais moi, je pense vraiment que la plume, c'est Ophélie. Hein. Après, j'irai tricher, j'irai regarder... j'irai regarder les photos ou les comptes des filles. Mais je suis sûre que c'est Ophélie. J'en suis sûre. Rien qu'avec le livre, en fait, et la plume, je pense, hein, en vrai. Non, je vous ai pas dit. Pour accompagner ta relecture, donc un nouveau marque-page, du coup. De la même petite boutique. Ah, mais... You have me until the last star die, you have me. Il est trop mignon, lui aussi. Attendez que je vous le mette dans le bon sens, quand même. Mais il est trop chou. En plus, il a un petit ruban. Et du coup, ça vient de la même boutique. Mais je suis trop fan. Merci. Il reste trois petits cadeaux. Alors, à emporter partout. Ça va être quoi, à emporter partout? Il y a un truc là qui... J'aurais dit un porte-clé, du coup. À emporter partout. C'est pas un porte-clé, mais j'y étais presque. C'est un pin's Harry Potter. J'en ai déjà un en plus de Emma, mais je sais pas où les mettre. Faut vraiment que je trouve un endroit où les mettre, parce que j'en ai 4 du coup. Ensuite, moment détente. C'est quoi? Ça a un aspect chelou. Un truc pour le bain. Ah, c'est un masque visage. Ah bah, ce sera le premier, c'est le premier qu'on m'offre et du coup bah ce sera le premier essai. En plus en cette période où je n'ai rien envie de faire et tout, ça peut être pas mal. Donc du coup c'est un masque éclat visage qui vient de chez Nocibé. Il a pas d'odeur ni rien. À tester. Et du coup, dernier petit colis. Donc si tu ne peux pas aller à la fête vient à toi. C'est quoi ? Là, c'est plus épais que là. C'est quoi? Oh, mais pour deviner, c'est une vraie bille. La fête vient à toi. Pas mal. Oh, en plus, je voulais me le prendre, mais j'ai pas osé. Oh, merci. Happy New Year's. Donc, du coup, c'est des ballons pour la nouvelle année qu'on accroche. Merci. En plus, là, ici, je cache, hein, mais il y a de l'hélium. Donc, ça ira bien pour les gonfler. Merci. En vrai, je doute. En vrai, je pense vraiment que c'est Ophélie, moi. Douce. Ah, et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il faut que je soulève. J'ai bien fait de soulever. C'est Ophélie. J'avais raison. Je sais pas pourquoi, mais avec le livre déjà. Après, j'avoue qu'au début, j'avais pensé à tester avec douce lecture, douce, la plume, voilà. Mais après, je me suis dit, non, en fait, non, avec le livre, c'est pas possible. Tessa ne lit pas ça. Tessa, non. Donc, du coup, c'est obligé que ça soit Ophélie. Parce que même Madame Errance ne lit pas ça. Donc, du coup, Camille. Mais, merci Ophélie. Merci beaucoup, beaucoup. Tu m'as trop gâtée, c'est trop bien. T'as visé juste et tout, mais
c'est trop bien. Merci. Du coup voilà, je sais pas vous si ça vous a plu et tout, mais en tout cas moi j'ai été super contente de participer à ce projet, de faire un petit cadeau et tout. D'ailleurs je vous invite à aller voir les vidéos des copains. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous allez passer un bon réveillon de Noël. Bye.